Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les gens, ici J12 pour ce nouvel épisode de The Sub and Egg of Isaac Burke. Et nous continuons. Isaac. Notre but est encore toujours d'aller combattre Mom. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi je refais des vidéos sur Isaac alors que j'ai déjà battu Marcus. Et en général le genre de personnes qui ne connaissent pas assez Isaac, bah tout simplement parce qu'il suffit de battre Mom Pierce je pense 9 fois et après le boss se transforme en X-Live et après vous avez du genre deux nouveaux étages de débloquer, ce qui fera que l'espèce sera maintenant après 5 parties au lieu de 4. Attendez les gens, voilà, moi je sais à combien on tourne, à combien on carbure. Il n'y a pas du normalement. Puis normalement, il aurait dû me filer une clé, je comprends pas. Je dirais que les loot sont pas toujours à 100%. Oups, ça, excusez-moi. C'est bon les gens. Un petit message de Steam. J'ai fait comprendre à monsieur que j'étais occupé à toi. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais bon. C'est bon, je sais que tu savais pas. Est-ce qu'on... Ouais, on va pas faire le boss tout de suite. Quoique c'est quoi les autres pièces. Il y a une pièce ici, on n'a pas faite. Oh elle est sympa, regardez, en plus il y a un rocher bleu. Dommage, on a pas pété les ennemis. Oh là 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 là. Bon, le cœur d'argent, vous savez quoi, on va le récupérer à la toute fin de l'étage, une fois qu'on aura battu le boss de cet étage. Attendez les gens. Voilà. Vous risquerez d'entendre encore un message qui il va me dire un truc du style oui, excuse-moi. Oh là là. Bon, en même temps, je peux pas faire autrement, je suis sur Steam, donc et même si je me mets en occupé, bah il y a certaines personnes qui me mettent des messages, mais je peux pas changer ça, genre moi je fais du Isaac, je dois laisser Steam allumé. Donc excusez-moi si vous avez des bruits de Steam en fond. J'en suis. Oh. C'est que c'est bien ça, tous ces cœurs d'argent prêts à être ramassés. Je vais éviter d'en ramasser un sans faire exprès. Excusez-moi si je perds aussi du temps à écrire au message Steam. Je me croirais un peu sur un live. Donc voilà. Oula. Évidemment, il comprendra, c'est un de mes potes. Donc, aïe, aïe. Hey, tu me malmènes, toi. J'aime pas trop ce boss dans sa deuxième forme parce qu'il est ultra chiant. Ah, c'est bon, il est bloqué. Oui, 4 au nez, un damage up. Ça commence bien. Et c'est un shoot speed up également. Je vais pouvoir tirer plus vite. Alors, dans l'histoire, j'ai gagné. Ça, on va également enlever ça. Pièce d'après. Oh, dommage que j'ai plus de bombe. Dommage que j'ai plus de bombe. J'aurais bien fait encore péter ce rocher. Quoique, bon, j'ai usé tous mes rochers, donc on va dire que... Et puis, ça se trouve, c'était peut-être pas un cœur d'argent qui est à l'intérieur. C'est peut-être autre chose. Cet étage est maintenant fini. On va pouvoir commencer autre chose. Et il ne faut pas oublier les cœurs d'argent qu'il y a dans la salle du boss. C'est intéressant. Est-ce
que je vais dans la boutique? Allez, on va se faire plaisir. Et il y a une pilule. Et je sais pas. Phéromone, ok. Ah bah je sais qu'elle est nulle. Mais bon, c'était voilà, c'était pour avoir une pilule. Très bien. Ah là là, c'est rushé. On va pouvoir prendre ses cœurs et se barrer direct à Basement 2. Oh, on va pouvoir aller dans cette petite salle. Yeah, du Basement. Yeah. Yeah, 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 les gens. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oui, plus de mouches. Surtout plus de mouches. Ah, ouais, non, je prends. Quoique, je prends juste cet objet pour l'avoir dans ma liste d'objets découverts. Voilà, c'est tout. Juste pour le fun. Le fun de le prendre. Allez, les mouches. Attaquez, attaquez ce grand méchant. Est-ce qu'on va dans l'arcade ou, on va juste donner une pièce à ce mendiant. Histoire que voilà. J'ai perdu, donc c'est pas la peine. Il va manger une mouche et ça va me faire chier. C'est une mouche, je m'en sers. Ah là là, un rocher bleu, toujours pas de bombe. Aidez-moi les mouches. Tuez-les. J'aime pas ces araignées. Elles font spawn d'autres araignées hideuses. Ça, aucun loot. Oh, ça va compenser mon manque de bombes. D'une manière ou d'une autre, de toute façon. Et en plus, la carte, c'est l'endroit où j'aurais peut-être pas pu la voir. Très bien. Alors, ouais, on va pouvoir faire du backtracking. Vous voyez un peu à quelle utilité mes mouches peuvent se rendre utiles. C'était vachement pensé, ma foi. Peut-être comme si elle l'était. Oui. Allez, vous spotez contre cette mouchette. Heureusement que je one-shot cette merde, parce que ça me gênerait. Oh là. Ce coup-là, je m'attendais à me le prendre. Finalement. Je suis pas surpris de me l'être pris. Si, un petit peu, mais ça me dérange pas plus que ça. Tous les cœurs que j'ai. Un enveloppe, mais c'est génial. Et un pacte avec le diable de derrière les fagots. Ouais, donne-moi des parties de guppies ou donne-moi rien du tout. Alors là, depuis ce début de let's play, c'est le pire pacte avec le diable que j'ai pu... Le pire pacte avec le diable que j'ai pu rencontrer. Sur lequel j'ai tombé. Bon, c'est pas grave, c'est le premier pacte. Hein. On aura l'occasion d'en avoir d'autres. Quoique, en fait, peut-être pas. Parce que si j'ai ce genre de choses, il se pourrait que on me file ensuite des pactes avec l'ange. Et ça, bah, c'est pas que ce serait pas cool, c'est que ça me filerait des objets de défense, des cœurs, tout ça. Et moi, j'aimerais dépenser ma vie pour avoir des pactes avec le diable. Ça permettrait d'être un peu plus hype, plus fort. Parce que la défensive, c'est... Je veux dire, c'est mieux l'attaque pour moi que la défensive dans Isaac. Sauf quand tu joues The Lost, évidemment. The Lost est bien connu, hein. C'est le perso. Ah, hein. Oh, j'ai vraiment galéré avec lui. Je me souviens à quel point j'ai pu galérer. Mais j'ai pu tomber sur des parties assez cheatées. J'étais assez chanceux. On va dire que si maintenant je suis Real Platinum God, c'est en partie grâce à cette chance. J'avais des combinaisons du style Trinity Shield et Holy Mantle. Comme ça, le rêve de... Le rêve de tout gamer, quoi. Qui joue avec The Lost. Alors, j'allais faire une petite erreur et aller dans The Cave. Mais avant, je vais vous laisser pour cette première partie de The Banning of Isaac, épisode 7, si je me trompe pas. Et on se retrouve pour la deuxième partie, les gens. Ciao, peace.